Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver et bien pour le message de la voix des âmes de ce mercredi 3 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé secret. Le message de votre âme, tu gardes beaucoup de choses en toi. Et oui, pour certains d'entre vous, vous gardez beaucoup, beaucoup de choses en vous. Tu portes le poids des secrets. Soit ceux que tu as toi-même, soit ce que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc notre communication. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doutent de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie de toi qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieur n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, quelle que soit ta méthode, libère-toi de ce poids des secrets. Il est temps. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Alors, accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte les failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu en es capable. Vraiment. Message de tes guides. Pour certains d'entre vous, tu peux avoir l'impression que tu as besoin de connaître un secret pour rentrer en contact avec nous. Tu as besoin que cela soit limité à des personnes initiées qui ont une révélation secrète et que ces personnes ne le partagent pas. Tu sais, il n'y a pas de secret pour rentrer en contact avec nous. Aucun secret, parce que nous savons tout. Tu as juste besoin de faire le vide et de nous parler avec le cœur. Si tu as besoin de rituels pour te rassurer, ou pour te connecter avec nous, mais tu peux le faire, On ne t'empêche pas de le faire. Mais ce n'est pas indispensable. Mais si tu te sens mieux, fais-le. Ce qui est important, c'est que tu te fasses confiance. Et surtout que tu nous fasses confiance. Nous sommes auprès de toi. Nous sommes là pour toi. Pour communiquer avec nous, nous t'invitons vraiment à te libérer d'anciennes croyances limitantes que tu peux avoir, qui sont toujours bien là et que tu n'arrives pas à laisser partir. Nous t'invitons à créer ta propre spiritualité et ta propre façon de communiquer avec nous. Nous t'invitons aussi à prendre du recul par rapport à tes anciens rituels
et à te concentrer sur ce qui fait écho et résonne, à qui tu es et ce que tu veux. Message de l'entité. J'avais des secrets qui ne me concernaient pas directement, mais j'avais des secrets. Des choses que j'ai gardées en moi pendant très longtemps. Des choses que je n'ai pas forcément partagées avec toi. Ne m'en veux pas. Je ne pouvais pas. Ces secrets étaient un poids. Et aujourd'hui, j'en suis libérée. Je sais que tu y penses parfois et je sais que tu te poses beaucoup de questions. Ne crois pas que tu as besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est ce que tu construis pour toi. Mais en revanche, ne fais pas comme moi. Ne garde pas ces secrets pour toi. Libère-toi. Cela n'apporte pas une énergie positive que de tout garder pour toi. Tu peux te libérer de ces secrets. Je t'en apporte la force par ma présence à tes côtés. Certaines choses ont besoin d'être libérées et il est temps. Il est temps. Très beau message de la voix des âmes, n'est-ce pas? Je termine avec la guérison des 5 blessures et aujourd'hui, abandon. J'ai pigé la carte abandon. Aujourd'hui, je décide d'être attentif à ma tendance à dramatiser une situation. Après en être devenu conscient, je m'accepte en sachant que c'est la perception de mon ego qui a pris le dessus. Je peux alors rire de moi en voyant cette réaction exagérée. Si je suis incapable d'en rire, je me donne le droit d'être théâtrale, croyant que c'est le meilleur moyen pour le moment, eh bien, d'avoir plus d'attention. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel. Et puis moi, je vous retrouve demain pour un nouveau message de la voix des âmes. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.